Là aujourd'hui on est quasi atomique et j'ai un très gros défi pour toi. Mm-hmm. Je vais te déguiser en fille et tu vas essayer de choper des numéros de mecs. Ça va être n'importe quoi. La barbe on va être obligé de raser. Ah ouais, on va faire le maillot intégral et tout le bordel. Oh mec, t'as la vieille lame de merde. Non t'es bien, t'es bien, t'es bien. Non, laisse, c'est bon. Putain, c'est vrai que c'est petit. Ah, hop. Non, tu vas être bonne. T'es parfaite, donc le défi, t'oublie pas, hein, c'est avoir un numéro de téléphone. Ça marche. Bah par contre, ta voix plus haut. Ça marche. Très bien. Ah, c'est pas grave au pire. Oh. 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 Ah, c'est chaud de marcher debout comme ça. Eh, hey, j'ai mal au yeux, mon frère. Mes pieds, ils sont en compote, là. Est-ce que vous aurez l'heure par hasard? Oui. Oui, le 17 octobre. Vous habitez à Paris? Oui, oui. Est-ce que ça serait possible d'avoir votre numéro? Pour quoi? Bah, pour comme ça, si jamais je sais pas, par exemple, demander mon chemin ou quoi. Non. C'est pas possible? Comment je peux donner mon numéro à quelqu'un que je connais pas? D'accord, merci quand même. Au revoir, bonne journée. Il m'a regardé, il s'est dit, c'est quoi ce truc chimique à mort? Je peux vous demander quelque chose d'embarrassant? Ouais. Est-ce que ça serait possible d'obtenir votre numéro? C'est plus délicat. Ah, si, il a une carte. Vous voilà, sur aussi sur ça. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Bonne soirée. Et maintenant, on va essayer de contre-piéger Asiatomique. Le prochain passant est un de nos complices. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous auriez l'heure par hasard? Bien sûr. 18h20. D'accord. Vous êtes de la région? Ouais, je suis d'ici. D'accord, parce qu'en fait, j'ai déménagé il y a 2 semaines. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu t'appelles comment? J'arrive pas, je suis désolé, c'est une caméra cachée. Starful, là, j'arrive pas, je suis désolé. Il m'a regardé, il m'a dit, tu t'appelles comment? C'est lui qui me draguait, c'est même pas moi qui le draguais, mec. En fait, le premier mec, il était avec nous, il était là pour te piéger. Non, en fait, ok, d'accord. Si, il t'aurait pas, tu nous aurais pas eu, mais il t'a emmené direct, la poule. Là, ce que je voudrais, c'est que tu ailles voir les gens dans la rue, les passants. D'accord. Que tu leur fasses voir une de tes vidéos. Et que tu te fasses mais pourrir la gueule sur ta vidéo. D'accord. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc je vais vous présenter directement la vidéo qui cartonne sur internet justement de ce youtubeur qui fait des millions de vues en fait. Et j'aimerais avoir ton avis directement, donc si tu peux mettre ce casque. Je suis de l'eau et je nourris les plantes. Je suis de l'eau. Wesh, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Je nourris les plantes. Oui. C'est quoi ça? Je suis de l'eau et je nourris les plantes. Non, non, non. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, comment ça s'appelle? Je peux même pas te parler de ça. C'est vrai? Ça, c'est un con. Objectivement. Objectivement, c'est naze. Ben, je trouve ça stupide, hein. Vous avez la personne en face de vous, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Moi, je te donne même pas l'occasion pour. Comment ça s'appelle pour parler? Ben, je veux même pas de te regarder. D'accord. De cette mec. D'accord. Ça, c'est un problème à la tête ou quoi? Ouais. En fait, il se trouve que cette personne en question, en fait, là, c'est moi. Aïe aïe aïe. Caméra cachée. Ouais. Défi réussi, tu t'es fait bien pourrir, mais vraiment bien comme il faut. Hein. Ouais, c'était cool. C'était impeccable, hein. T'as été très très bon. En tout cas, d'ici 15 jours, une nouvelle vidéo défi fausses applis. Et n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne parce qu'il y aura d'autres défis 100% youtubeurs. La semaine prochaine, Asiatomique nous montre ses talents cachés. Alors abonne-toi pour ne rien rater.